la partie. Où on va habiter? Pleurs, consternation et colère ce matin au quartier Bel Air, dans la commune de Cocody-Danga. Un important détachement des forces de sécurité s'est rendu tôt ce matin dans ce quartier pour déguerpir les riverains. Depuis tôt ce matin, à partir de 7h30, on a été envahi par trois cargos du GEMI avec un huissier. Ils nous ont envoyé des exploits d'huissier. On n'a rien compris. La CICOJ est venue pour faire ce travail que vous-même vous constatez sur le terrain. C'est dommage. Outre les habitations, les commerces aussi ont fait les frais de ce déguerpissement. Pour exécuter sa mesure d'expulsion, la CICOJ a utilisé les grands moyens. Interruption de la distribution d'eau et la fourniture d'électricité. Délogés, les riverains essayaient tant bien que mal de sauver quelques meubles de fortune sous le regard médusé des passants. Les responsables de la CICOJ que nous avons rencontrés dans le cadre de ce programme de déguerpissement sont clairs. Des mises en demeure ont été données à chacun des locataires, leur signifiant le départ des dites maisons. Pour rappel, en janvier dernier, un arrêt de la Cour suprême donnait ordre à la CICOJ de récupérer son patrimoine immobilier. Pour ce faire, l'entreprise entend aller jusqu'au bout de ce programme. Après Cocody-Danga, les cités dans les communes d'Adjamé et Trècheville sont les prochaines visées.